gauche. Ah ouais, joli. Magnifique. Good job. Ah, il y a une belle pêche quand même. Je fais comme en compétition. Ah, je regarde. Ouais, ils sont gros ceux-là. Faut dire que depuis ce matin, heureusement qu'on nous a pas filmé, hein, parce que on enchaîne grave. Hein. Bonjour, allez, une nouvelle vidéo aujourd'hui, c'est brème normalement. Bon, bah, y en a qui n'ont pas voulu faire de la brème, ils ont fait de la carpe. Vous avez dû le voir en introduction tout à l'heure, Nicolas se déchaîne, comme d'habitude. Donc aujourd'hui, on a une pêche en étang, on essaye de pêcher la brème, on arrive dans la période quand même hivernale, on va dire, les eaux vont commencer à refroidir. Néanmoins, il y a encore la possibilité de faire de belles pêches, parce que le poisson commence à s'alimenter un petit peu, on va dire, pour prendre ses réserves pour l'hiver. Tant que la température de l'eau est encore assez chaude, bah, le poisson s'alimente. Hein. Donc c'est le moment, il faut en profiter. Il pleut peut-être, le temps est couvert, on ne bronze plus, mais c'est les meilleures périodes pour la pêche. En tout cas, moi, c'est les périodes que je préfère, la période automnale, hivernale aussi. Il y a des belles pêches à faire. Bien sûr, on ne sera pas sur des densités de pêche qu'on peut faire d'habitude de l'été ou du printemps, mais là, c'est sympa. En plus, il y a moins de monde sur au bord de l'eau, on en profite. Et puis, on profite encore quand même de belles journées. Bon, on a eu un petit peu de pluie ce matin. Là, c'est couvert toute la journée, donc bah, c'est sympa, quoi. Donc ça va être une pêche au feeder, donc toujours pareil, une canne à la cage, une canne aux méthodes. Pour le moment, c'est 50-50, ça soit à la cage ou aux méthodes. Pour moi, j'ai touché avec les deux. J'ai fait deux beaux rotangles et une belle brème, j'en décroche une. Par contre, Nicolas, lui, il a commencé à la cage. Il avait quelques touches, il a eu une tirette ce matin. Il perd une belle commune, mais bon, en hameçon de 18 ligne de 18 centièmes, automatiquement, ben, on décroche, c'est normal, ou on casse. Ben, c'est ce qui lui est arrivé. La carpe n'a pas voulu revenir. Et puis là, tout à l'heure, là, il a monté carrément un gros méthode, hein, style, on va dire, un peu carpiste. On va être carpiste dérivé, parce qu'il est sur un méthode à vie de carpe. T'as un quoi, un 45, 80 grammes? C'est 60 grammes. 75 grammes. Donc il vient mettre de la farine dedans, il met un gros dumbbell de 10 mm et il balance sur son coup qu'il a amorcé ce matin, quoi. Voilà.
Au niveau distance de pêche, on va essayer, là on a quand même des cannes, là j'ai les deux cannes Ascension, la canne 13 pieds que j'ai achetée, et j'ai la cam, une canne de, donc là c'est la 12 pieds, qu'on m'a prêté, que je teste en ce moment pour voir un peu l'efficacité. Donc on est sur, quand même sur deux cannes à peu près différentes. Je dirais la canne 12 pieds qui est quand même une canne assez souple. De toute façon c'est pas fait pour non plus pêcher à longue distance. Et puis après la 13 et 14 pieds, c'est des cannes hyper rigides, super pour envoyer de la charge. Hein. Celle-ci c'est 80 grammes. Et après vous avez la 14 pieds qui est à 120 grammes. J'avais commencé ce matin avec un sion de 4 oses, j'avais laissé celui qui était sur la canne. Moi personnellement ça m'a pas plu, j'ai pas eu de sensation tout à l'heure avec la grosse brème. Donc je suis repassé sur un 3 oses, j'ai redescendu un peu et j'ai quand même vu la touche tout à l'heure, malgré j'ai décroché quand même le poisson. L'autre côté je suis sur un 2 oses et demi, donc c'est complètement différent. Sur une canne, on est quand même sur deux cannes semi-paraboliques hein, quand même. Hein. Donc, et on voit bien avec la distance de la canne, on n'a pas tout à fait le même comportement. Donc on est quand même sur une canne pour pêcher à 30 ou 40 mètres quoi. Et l'autre c'est plus qu'à, on va dire 60 70 mètres quoi. Donc j'ai fait un poste on va dire à 60 à 40 mètres 45 mètres, aller à tout casser pour être quand même dans un confort de pêche, et j'ai amorcé tout à l'heure à la cage pour faire une plage et d'amorce, et puis on vient pêcher dessus. Après c'est toujours pareil hein, c'est fish after fish hein, on vient amorcer, on vient relancer de l'appât pour pêcher et on fait des petits spots. Donc là ce qu'il faut faire c'est attendre d'avoir les brames sur le coup quoi. Si elle rentre, ça peut être un plaisir, vous verrez pas mal de touches. Si elle rentre pas, vous verrez un petit clip avec quelques images. Voilà. En termes d'appât, maintenant, on est assez simple. Hein. J'ai utilisé de la farine, la spécie de chez Sonubet, pour commencer à amorcer. Et après, ce que je fais, c'est soit je prends de la farine ou du pelé où je viens amorcer la cage, où je vais pêcher vraiment au feeder traditionnel. Et une fois que le poisson est rentré, je vais plutôt passer aux méthodes avec du pelé. Car en fait, on constate quand même, moi je constate par rapport aux endroits où je pêche, que le poisson, une fois qu'il est rentré au pelé, on a quand même plus de touches, assez souvent régulier, et on maintient quand même plus facilement le poisson sur le coup. Alors est-ce que c'est sur les quantités d'amorçage, peut-être en relançant, il faudra peut-être changer de diamètre de cage pour pas gaver les poissons. Alors que c'est vrai qu'avec des pelés de 2 mm sur un méthode, on est assez limité en quantité. Alors peut-être que c'est ça qui permet d'avoir des touches régulières, et le poisson en fait on n'attend pas hein. Quand vous avez à peine lancé, le méthode tombe au fond et vous avez déjà le poisson au bout quoi. Donc peut-être que c'est ça. Donc après au niveau amorçage, préparation, donc là j'ai les pelés de 2 mm, là c'est des F1 hein. c'est des neutres en fait, il n'y a rien de compliqué pour pêcher aux méthodes. Ce que j'ai fait aussi, il me restait un pot de spot mix, c'est ce que utilisent beaucoup les carpistes en fait, c'est un mélange de graines, donc il y a de la noix de tigré, du chènevis, du blé que j'ai broyé au mixeur hier. Ce qui me fait en fait quelque chose de sympathique. Et je viens apporter ça dans ma cage pour amorcer. Donc c'est quand même une amorce assez riche hein, quand même, parce que vous avez de la noix de tigré, moi ça reste de la graine. Hein. Donc pour en mettre un petit peu dans la cage pour amorcer, ça donne de l'activité sur votre cou pour faire venir les poissons. Quoi. Ensuite, on ne change pas des choses que j'utilise maintenant. Bon, vous l'avez vu sur la chaîne de Sébastien Rousseau. Hein. Regardez, je vais sûrement mettre le lien qui va s'afficher de sa chaîne avec l'explication du chènevis bouillanté. Moi, sincèrement, les amis, c'est pas compliqué à essayer. Il vous faut juste un micro-ondes, du chènevis, un mixeur, vous le broyez, vous mettez 5 minutes au micro-ondes et puis après, vous faites une bouillie de chènevis. C'est quand même quelque chose de super attractant pour le blanc, même la brème. Et vous avez quand même dans les eaux froides et tout quelque chose qui pépite et tout, c'est super intéressant. Moi j'y ai rajouté des épices parce que j'aime bien pêcher avec les épices. Donc j'y ai rajouté du poivre de Cayenne. Là, vous regardez, ça s'affiche en ce moment que je suis en train de vous parler. Mais pour mettre un peu de couleur, voilà, ça devient jaune. Donc le jaune c'est du curcuma dedans pour mettre un peu de couleur. Bon là j'en ai pas mis beaucoup, mais vous voyez des petites couleurs jaunes. Donc c'est juste l'épice qui est dedans qui colorie un peu. Qui met un peu de couleur dans votre chènevis bouillanté. Donc ça c'est quelque chose franchement faut pas négliger dans la cage, vous en mettez un peu avec un bouchon d'amorce et venez vous balancer ça sur votre spot, vous allez avoir quelque chose qui va être très attractif dans les eaux froides. Là les eaux sont pas encore forcément très très froides, mais là ça c'est un truc que je vous conseille l'hiver, faut pas négliger les graines, c'est hyper important quoi. Ensuite ce que j'ai fait aussi, ça vous l'avez déjà vu au travers de d'autres vidéos. Donc de la soupe de maïs doux, hein. Donc ça vous voyez, c'est pareil avec le broyeur, vous mettez du maïs dedans, vous broyez, ça vous fait une soupe. Pareil en bouchon,
Alors bien entendu, j'ai préparé tout ça, c'est pas pour ça que je vais forcément l'utiliser, mais c'est en fonction de la journée, en fonction des poissons que je vais capturer, en fonction de la réaction des poissons aussi, j'ai des appâts en sécurité pour faire des bouchons ou pour rappeler. Là, ça va vous faire un brouillard jaune dans l'eau, c'est intéressant, c'est attractant. Le but, en fait, c'est pas de nourrir les poissons, c'est rendre votre poste attractif pour faire venir les poissons sur votre cou, quoi. Et pour terminer, quelque chose que je viens d'essayer, parce que j'en ai entendu parler, hein, j'écoute aussi ce que font les autres, j'ai broyé du pelé fiche de 2 mm. Donc j'ai un seau chez moi de 5 litres de pelé de 2 mm. J'en ai pris que je laisse baigner en fait dans le Master Crab. Donc je peux vous dire, ça pue bien, mais c'est le but. Et je les ai broyés pareil au mixeur hier. J'en ai broyé quoi, 100 grammes ou 200 grammes. C'est pareil, je peux rajouter aussi ça dans ma cage en pêchant. Toujours pareil, voir en fonction de la réaction des poissons. Faut pas négliger le carnet, c'est excellent. Hein. On peut, de toute façon, il y a des pêcheurs, il y a deux populations, c'est toujours pareil. Il y en a qui aiment le sucré et l'autre qui aime le carnet. Moi, j'étais plutôt quelqu'un qui pêchait beaucoup au sucré et avec le temps, je commence à me mettre beaucoup au carnet, toujours par ordre autour de d'autres pêcheurs qui pratiquent cette pêche. Trêve de blablabla, maintenant ce que je vous invite, c'est à découvrir la pêche. Là, on a pêché, ça va faire deux heures et demie qu'on a pêché. On vient de faire une pause et là on redémarre. Voilà, on va recommencer le coup. Puis on va espérer que vous découvrirez quelques poissons dans cette vidéo. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Bon, aujourd'hui, pour une pêche à la brème, on est embêté. En fait, on a du mal à tenir les brèmes. Et du coup, je pense que c'est les carpes qui nous embêtent, en fait. Qui foutent le bordel dans le cou et on ne fait pas de brème. Voilà, je viens de faire une petite carpounette aux méthodes. Voilà. On va sortir l'épuisette déjà. Hop. Voilà. Voilà. Petite carpounette. Bon, allez, on va essayer de continuer. On va essayer de voir si les brèmes rentrent. Mais là, avec les carpes qu'on a sur le cou, là, ça va être compliqué. Allez, à tout à l'heure. T'en bouge pas que je fasse une photo. Pareil, photo. Vas-y, vas-y. Yes. Bien joué, camarade. Bon, là, pour l'instant, Nicolas a du poisson sur le cou. Moi aussi, je dois en avoir, comme il dit, mais on pêche pas tout à fait à la même distance. Et ça doit y jouer un petit peu aussi, peut-être. Mais bon, là, si ça veut rentrer, c'est bien, il va pouvoir faire un peu de brème. Pour illustrer cette vidéo, heureusement qu'il est là aujourd'hui, hein, parce que... Mais ça fait partie de notre pêche, hein, c'est pareil, c'est toujours comme ça. Hop, ouais, poisson. Et je crois que c'est une carpe. Ça doit être une carpe. Oh oui. En live. Ouais, une carpe en live, ouais. On va essayer de la sortir. Ah, donc tu as raison, Nicolas. C'est les carpes qui nous empêchent de faire de la brème aujourd'hui. Bon, on va pas se plaindre, hein. On fait du poisson, mais... C'est toujours un peu, quand on essaye d'avoir une stratégie, là les carpes nous embêtent les brèmes en fait. Et donc, fais gaffe, hein, je suis peut-être sur ta ligne. Ah, c'est toi? Ouais, c'est peut-être moi. Ah, il y a une branche, je vais remonter aussi. Et en plus, ah, ça a l'air d'être beau. Hein. Ah oui, ça tombe, j'ai une branche. Hein. Tu rigoles, mais en plus ça tombe, c'est la branche que j'ai. Non, non. Non. Je suis un peu plus près quand même. T'as déjà vu une branche qui faisait des à-coups, toi? Non, mais que le poisson soit dans la branche. Non, mais je crois que je suis un peu plus près que ça. Je suis carrément de l'autre côté. Hein. Tu feras gaffe, Nico, on va sûrement se croiser. Hein. Là, je suis à l'arbre. Je sais pas comment je vais faire avec l'arbre à côté. Là. Elle est pas sortie. Hein. Ouais, je vais être mou. Je suis désolé. Parce que moi, je n'étais pas à côté. Hein. C'est bon, t'as tout, je suis parfait. Hop.
en son temps. On va essayer. Elle est gentille avec moi pour l'instant. Elle est là, c'est bon. Ouais, c'est un beau poisson. Bon bah là, c'est aux méthodes, hein. Avec du micro-pelé de 2 mm. Et un petit dumbbell. Ah, elle est belle. Bon, on va essayer de la sortir. On va l'enfumer. Yo ! Eh ben. Elle est belle, hein. Elle est belle, la demoiselle. Je vais filmer normalement. J'avais laissé la caméra allumée. Yes. Bon bah ça fait plaisir, hein. Ouais, un beau poissonnet là quand même. Voilà, au feeder. On peut sortir des beaux poissons maintenant au feeder. Moi j'ai laissé tourner la caméra parce que là c'est quand même un peu particulier pour pêcher. On attendait les touches, mais là ça fait quoi, une demi-heure là, on a touche sur touche. Et là je fais une magnifique carpe commune. Voilà. Ceux qui ont encore des idées sur la pêche aux méthodes feeder, hein, ben on peut faire des beaux poissons, la preuve. Bon, c'est plus petit encore que ce qu'a fait Nico ce matin, hein, mais bon, bah écoutez, ça fait plaisir quand même. Hein. Ça dort, ça, ouais. Voilà, cool. Avec le soleil en plus, là, c'est joli. Petit souvenir. Ça y est. Du coup, on va en profiter avant de relancer pour que je vous montre mon montage à la cage. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Allez. Donc une cage, la cage. Là, je vous ai déjà montré, c'est les systèmes qu'on utilise pour le pelé waggler. Hein. Donc j'en mets deux de chaque côté. Ok. Une agrafe pour tenir le feeder. Ensuite, j'ai torsadé mon bas de ligne. Bah, j'ai torsadé sur à peu près 10 cm pour justement le but de la torsade. Mais ça, si vous regardez des vidéos sur les pêcheurs au feeder, un peu plus spécialistes que moi, c'est juste pour éviter l'antimêlage. C'est-à-dire que d'avoir rigidifié ici, ça va éviter de s'emmêler sur votre cage. Donc c'est important de le faire. Ça aide quand même. Hein. Bon, quand on commence, c'est pas toujours évident. Bon, maintenant, avec l'expérience, bah, au fur et à mesure des pêches, on apprend, on tente et puis on essaye. Bon, c'est quelque chose, y a des vidéos qui montrent comment faire. Ici, j'ai mis un quick change. Ça, je vous en ai déjà parlé. Ça me permet de changer de bas de ligne. Et ici, bah, j'ai mes petits bas de ligne que j'utilise aux méthodes. Hein. Vous commencez à connaître les KKH. Voilà, avec ma petite bouillette, comme vous pouvez voir, mon dumbbell rouge. Vous avez vu le montage? Donc là, il y en a certains qui me disent, ouais, on aura pu. Donc on pourrait utiliser, c'est conseillé d'utiliser des bas de ligne plus longs. Moi, je suis quand même en train d'essayer de comparer l'efficacité des deux techniques, c'est-à-dire la pêche à la cage et la pêche aux méthodes. Et le but, c'est d'essayer d'avoir quand même quelque chose qui ressemble. Sinon, après, automatiquement, on a un facteur différent et ça peut fausser les résultats. Donc je suis parti sur des bas de ligne courts et vous voyez, je fais du poisson, donc ça fonctionne. Hein. Après, ça va dépendre de la réaction des poissons que vous allez avoir. Hein. Donc la technique, en fait, c'est ce qu'il faut savoir, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Comment on fait au feeder pour savoir la longueur du bas de ligne? Alors généralement, on commence toujours avec un long bas de ligne, c'est-à-dire entre 60 et 1 mètre, 60 cm et 1 mètre. Si vous avez vous pêchez à l'asticot, vous lancez votre cage avec votre amorce et vous ne voyez pas de touche, mais vous remontez et vous voyez vos asticots sucer. Bah, c'est-à-dire qu'ils ont été mangés. Du coup, ça veut dire qu'en fait, votre bas de ligne, il est trop long. Donc, il faut réduire la distance au fur et à mesure. Donc, généralement, on redescend à 50 cm.
Bon, les figuristes, je pense que c'est entre 50 et 1 mètre qui pêchent, des fois plus d'un mètre même, ça va dépendre si vous pêchez en rivière. Mais pour des pêches d'étang, on va être entre 50 et, on va dire 50 et 80 cm. Mais ça arrive de pêcher avec des bas de ligne courts, j'en suis la preuve. Hein. Là, vous voyez, j'ai à peu près, j'ai quoi, allez, 10, j'ai 15, 20 cm à peu près de longueur de bas de ligne, là, avec ma torsade. Voilà. Donc, vous avez vu le montage très très simple, en mode Titi, en in-light. Donc, c'est réalisable par tout le monde. Voilà. Allez, moi, j'essaye de refaire des brèmes. Merci camarade, vous êtes bien aimable. Ça passera vite au gag. C'est fou la vidéo. C'est que des conneries dedans. Bon, allez, passe à la pesée. C'est bon ? Ouais, on y va. Commence ou... Bah vas-y, commence, de toute façon, on met tout ensemble. Bon, ça aurait été une pêche quand même atypique aujourd'hui. Ah, il y a une belle pêche quand même. Ah. Hop. Oh, ça va passer dedans. Hop. Ah, c'est compact, ça que... Hop. Bon les amis, bah voilà la pêche aux méthodes feeder aujourd'hui avec Nicolas. Merci Nicolas pour cette journée. Bon, ça aurait été compliqué. Bon, je parle, on va s'occuper d'abord des poissons, on va vous les montrer, puis on fera la conclusion après. Mais bon, j'ai fait des gardons, des magnifiques gardons, quoi. Ouais, celui-là, c'est... Oh, ouais, c'est énorme, quoi. C'est, ouais, comme tu dis, des baleines, non? C'est ça que tu disais, des requins, des... Des truites. Des truites, ouais. Bah là, je pense que c'est un saumon, en fait. Et il y a une belle tanche aussi. Elle est où, la tanche? Je l'ai faite tout à l'heure. Ouais, une magnifique tanche. On va peut-être remettre de l'eau. Hop. On met de l'eau, ouais, parce que on va les arroser quand même les poissons. On voit que ça a été super quand même, hein, donc il n'y a pas eu vraiment trop de différence entre le méthode et la cage, hein, c'est 50-50. Nicolas a beaucoup pêché qu'à la cage pratiquement. Voilà, une petite tanche. Yo. Voilà, puis bah, des brèmes, magnifique tanche.
Ah, une belle pêche hein, quand même. Ouais. Magnifique. Des belles mémères. Bon, on aurait pu faire. Bon, on a déjà fait une très très belle pêche, mais on aurait pu. Si on n'avait pas été embêté par les carpes, on aurait pu faire encore plus de brames, je pense. Hein. Ouais, ok. Allez, on s'occupe des poissons. Bon, bah, les amis, vous venez de voir une petite pêche aux méthodes feeder avec Nicolas. Approche-toi. Voilà, qu'on te voit quand même. Donc, pêche quand même compliquée aujourd'hui. On a quand même attendu les touches. On n'était pas sur une pêche active où il fallait attendre les touches un peu, quoi. Voilà. Mais bon, on fait une belle pêche. On fait 26 kg de poissons et les brouettes. Voilà. Plus on fait. Une grosse carpe. Moi, toi, t'en perds une. Mmh. Et moi, j'en perds une et j'en fais deux. Voilà. Donc, on fait quand même une belle pêche quand même aujourd'hui. Voilà. Donc, si vous découvrez cette vidéo, eh ben, je vous invite à regarder les autres et à vous abonner, à nous rejoindre. Hein, oui. Et puis ce qui est important aussi, ça coûte rien, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on fait aussi quand on regarde une vidéo, Nicolas? Tu t'en rappelles ou pas? Ouais, il suit pas mes vidéos, donc il pêche avec moi, mais il suit pas moi mes vidéos. Moi je pêche, mais je regarde pas les vidéos. Voilà, on fait un petit like, voilà, ça fait plaisir, c'est gratuit et bah, ça montre un peu le travail qu'on fait ensemble pour la pêche, quoi. Voilà, comme vous voulez en tout cas. Et puis n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire en dessous qui est important aussi, on peut communiquer, échanger. Et puis si vous avez des remarques, bah, c'est fait pour ça, voilà. Allez, à très vite pour d'autres aventures. Ciao. Au revoir, à bientôt.